Bonjour tout le monde, yep. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de consacrer en fait cette petite présentation à une tendance un peu générale, c'est-à-dire la tendance au célibat, la tendance à vivre seul. On s'aperçoit qu'en fait, tout âge confondu, il y a quand même une volonté de rester seul. Alors on s'aperçoit que certaines personnes préfèrent vivre à deux. Mais de nombreuses personnes font le choix de rester célibataire. Alors pourquoi ? Les opportunités, je dirais que quelle opportunité on pourrait avoir à rester seul ? En fait, peut-être de s'auto-satisfaire soi-même. C'est-à-dire que quand on est célibataire, on n'écoute que soi. Et on n'a pas besoin de répondre aux exigences des autres. On se débrouille par soi-même. On se lève, on se couche quand on veut, on regarde la télé quand on veut. Donc voilà, c'est plutôt un monde en fait où on évolue qu'au niveau de sa petite personne et on auto-satisfait ses besoins. Ça, c'est pour les opportunités. Après, dans le fait d'être célibataire, il y a aussi, des risques en fait. Hein. C'est qu'on est des individus phasiques et le fait d'être célibataire peut nous aller à un certain moment et ne plus aller à d'autres moments. On se lasse en fait du célibat, c'est comme tout. Et l'autre point également du célibat, je dirais en risque, il est tout simplement financier. Parce qu'il faut aussi avoir la possibilité d'être célibataire. C'est pas forcément plus facile d'être célibataire, c'est plus confortable, mais du coup ça va vous coûter plus cher. Parce que forcément, vous allez avoir l'appartement ou la maison à votre nom. Et en fait, vous allez être autonome complètement. Donc, il va falloir tout prendre en charge. Donc voilà, la tranquillité a un coût. Et dans les opportunités, je dirais que c'est fonction de chacun. On a tous, comme je disais tout à l'heure, des périodes de notre vie où on a envie d'être seul. Et d'autres périodes, en fait, où on a envie d'être accompagné. Donc voilà, ça ne dépend que de vous. Donc faites votre choix. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.